Wayo les amis, wayo et bienvenue en ce dimanche matin, c'est un live sur un live qui commence assez tôt et qui va durer un petit moment sur Breath of the Wild. Coucou Kinikou, bienvenue. Comment ça va en ce petit week-end? Donc Breath of the Wild, comme je disais, c'est ma première partie hein, que j'avais fait en 2017 et que j'ai continué sur les années suivantes. Je me suis arrêté depuis un moment. Il y a longtemps que j'ai vraiment très longtemps que j'ai pas joué. Je m'aperçois que j'ai encore plein de trucs à faire. Par exemple, si je vais sur la map, je vois que j'en suis qu'à 62% du jeu. Vous voyez? Et il nous manque quelques noix. Il doit nous manquer 350 noix à peu près. Donc je me suis dit, tiens, j'ai eu très 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 envie dans la semaine de reprendre Breath of the Wild. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire en live, levé depuis 5h du mat. Eh bien, tu m'as battu, Kinikou, parce que je me suis levé à 5h30. Voilà, 5h30, je sais pas, comme si j'allais taffer, quoi. J'ai tourné un peu en rond, puis je me suis levé. Du coup, j'ai préparé ce petit live. Je peux le péter, ça, je m'en rappelle plus. Non, pas spécialement, mais on peut peut-être le déplacer. Alors, faut que je me rappelle comment ça marche, tout ça. Ok. Et ouais, les leftos. Du coup, tu dois être sur le live de Neta. Je suppose. Breath of the Wild, tu l'as poncé dans tous les sens. Tu l'as fait, tu l'as pas fait. C'est quoi ton histoire sur Breath of the Wild? Yep. Alors, en tout cas, bon petit déj à ceux qui se lèvent maintenant, qui nous rejoignent. C'est dimanche après tout. Donc, ce que je propose, c'est de se balader sur la map et aussi de faire les missions X. Alors, je l'ai acheté en cartouche à sa sortie et jamais allumé. Oh, yo, 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 yo. Il y a du boulot hein, sur ce jeu. Quand on l'a jamais allumé, je peux te dire qu'il y a du taf. Alors, je vais monter un petit peu le son du jeu, mais légèrement. Je vais me mettre en mode studio. Voilà. Donc, la map. La map, la map. On pourrait repartir d'en bas et puis quadriller. Le tout en bas. Sanctuaire, allez. Et donc, il y a des korogu planqués un peu partout dans le jeu. Et là, tu vas voir dans les icônes, 441, c'est le nombre de noix que j'ai trouvé. Et il y en a 900 dans le jeu. Donc, il m'en manque 360. Un truc comme ça, 460. Alors, on arrive ici, déjà, il pleut, c'est la misère. Et donc j'ai un masque qui détecte les korogu planqués. Oula, oulala, oulala. Eh oui, j'ai pris la foudre parce que j'ai un bouclier en métal. J'ai failli crever direct, comme ça, ça commence bien la partie. Qu'est-ce que j'ai à bouffer? J'ai des plats sur moi, je crois pas. Hein. Pas en ce moment. Ah si, peut-être, non. Oh là là là, quelle organisation. Bon, je propose de repartir alors. Un endroit où il pleut pas, dans un relais, faire des petits plats, tout ça. On va partir dans un village, ouais. Allez. On commence fort, il me reste un quart de cœur. J'étais pas prêt pour la foudre. On va se marrer, parce qu'il me manque... Il me manque un petit peu d'exercice sur le jeu. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas allumé. Bon, déjà ici, il pleut pas, c'est cool. Le village, il est là. Ah, j'ai entendu. Le korogu qui s'excite. Donc il y a un korogu dans le coin.
Mais d'abord, on va bien trouver une petite marmite et cuisiner, peut-être même dormir, je sais pas. Donc là, on voit que le masque s'agite, là, il y a une noix planquée quelque part. C'est pas en dessous, non, j'avais déjà fait tout le... les dessous de baraque. Donc ça, c'est un village de pêcheurs, si tu connais pas. Oh, il y a le vendeur étrange. Le vendeur itinérant, là-bas. Alors, je me rappelle plus comment il faut tuer le village. Cuisiner dans le coin, c'est sûr. Et tu vas l'allumer quand, Kinikou, ce jeu alors? Qu'est-ce qui fait que ça t'a jamais vraiment tenté en fait de le lancer? Là-bas, je crois pas qu'on puisse cuisiner. Ah oui, il a lancé 5 minutes. Oh, c'est ouf. Donc du coup, tu l'as eu en même temps que la Switch, donc tu me dis à sa sortie. Ça veut dire donc... mars 2017. Et t'as joué à quoi alors, si t'as pas joué à ce jeu? Comment est-ce possible? Ah voilà, il y a une marmite là. Ah, il faut que je l'allume d'ailleurs. Faut que je l'allume. Il faut du bois. Et du silex. Je m'en rappelle encore, ça va. Faut que je le pose et que je tape. Voilà. Ah là, on a fait du sale là. J'aurais dû allumer ce feu ailleurs et prendre une torche à la limite. Bon, alors. J'ai pris un Turbo Max tout à l'heure. Ah, je me rappelle même plus des recettes, ça va me revenir, hein, mais. Alors, Dora de l'âme, oui, non. Alors, Armo, ça c'est pour l'armure, pour la protection, l'endurance. Est-ce qu'on a de la viande normalement? Oui, voilà. Venaison fine. Hop, on va s'en prendre. Ouais, on va se la manger crue déjà. On va en prendre 3. On va mettre un poulet et de la venaison. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Encore un ingrédient? Du miel? Allez. On jette tout. Mario Odyssey? Non, il est sorti beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, tu peux pas me dire ça, Kinikou. Trouve une autre excuse. Donc là, on s'est fait un petit plat sympa. Mais j'en avais des plats en plus, je suis bête. On s'est fait viande marinée andouro. Ouais, on a quoi? Boulette aux champignons. Poisson vapeur, ça rend toute l'énergie plus 2 cœurs. Magnifique. Ok. Bon, voilà. Alors, on a dit qu'il y avait un korogu dans le coin. On n'a jamais allumé une marmite aussi salement que ce que j'ai fait. Hein. Regardez-moi ça. Peut-être sur PC, je sais plus. Ouais, bah de toute façon, ouais, c'est forcément qu'il y a un autre jeu qui t'a... Ça me dit rien, ça.
Bon, bizarre. Bon, du coup, tu pourras pas me spoiler, Kiniku. Alors, ça s'excite par là. Ça peut être en haut d'un arbre, ça peut être n'importe où, en fait, ça peut être sous un caillou. Ah, regarde. Regarde, Kiniku. Il manque un caillou ici. Comment je monte un caillou d'ailleurs? Il manque un caillou ici, donc c'est dans cette direction que je vais le trouver. Voilà. Il y en a un là, il y en a partout. Hein. Comment je monte un caillou? Si je le jette, c'est pas bon. Ah, ça va être compliqué ça. On peut essayer une technique. D'ailleurs, s'il est là, c'est pas pour rien. On va essayer une technique. Alors. C'est vers le haut. Tac, on va prendre Cinétis. On va le figer. On va taper dedans pour qu'il monte. Normalement, avec le rebord de la maison bateau, là, avec un peu de chance, il va rester là-bas. Ah, c'est pas la bonne direction. Non. Oui, peut-être. Non, trop bas. Et Athéna, 90 000, bienvenue. Merci pour le follow. Ça fait plaisir. Coucou. Eh bien, voilà. J'ai trouvé un Korogu, parce qu'il m'en manque 450 à peu près. C'est une partie que je reprends Athéna, bah, que j'avais Day One, hein, et que j'ai quand même pas mal poncé, mais pas tant que ça, parce que je suis à 62% du game, et j'avais envie d'y jouer ce matin, même depuis un moment, depuis le début de la semaine. Et donc là, je vois bien, grâce à mon masque Korogu, il va falloir monter un caillou là-haut, mais comme il y a longtemps que j'ai pas joué, à part faire un cinétis et taper... Je vois pas trop comment je peux monter ce caillou. Tu as trouvé plus de Korogu que moi, j'en suis à 190. Ah ouais! Tu l'as depuis quand le jeu Athéna? Depuis très longtemps? Depuis peu? Je vais réessayer, mais bon. Je suis pas le meilleur à ce jeu-là. Ah, je crois qu'il y est allé, non? Je dis pas de conneries. Tu l'as depuis un an. Ah bah oui, bah ça va, 190 noirs. Je sais pas si t'as joué qu'à ça ou si t'as fait d'autres jeux. Moi, j'y ai joué un paquet d'heures. Hein. J'ai rêvé. Non, là, elle est pas là, la pierre. Oh. Comment je vais monter une pierre ici, moi? Réfléchissons. On va réessayer la technique. Je l'ai lancé, c'est mort. Quoique, mais bon, je crois pas trop. Non. C'est mal barré. Bon, ça commence bien. Tu l'as aussi le masque? Ouais, ça aide bien. Hein. J'ai fait pas mal de noix sans masque, mais après je me suis dit, bon, 900, c'est quand même abusé de trouver 900 noix, donc en plus sans masque... Malheureusement, il y a tellement d'autres jeux à faire. Alors. Il m'aurait peut-être fallu une autre arme. C'est déjà du temps que je me décide. Bon, ben voilà. Mais là, c'est trop, là. Elle a rebondi. Ok, ok, ok. C'est juste que je suis pas dans le bon sens. Alors, réfléchissons. On va se mettre comme ça, je dirais. Hop.
Voilà. Après, au niveau de l'arme, je vais essayer avec. Je sais pas trop. Allez. Hop. Ouais, j'ai fait les 120 sanctuaires. Tu verras là, dès que je me téléporte, prochaine sauvegarde. J'ai les 120 sanctuaires, j'ai fait les DLC, j'ai la moto. J'ai battu Ganon évidemment. J'ai pas fait la méga quête Master Sword encore. J'avais commencé mais c'était un petit peu difficile pour moi. Allez, on y croit. Hop. Ah oui, elle est partie trop loin là. Elle est partie trop loin. Ok, donc c'était un peu trop violent, mais la direction était bonne. Peut-être que je me trompe de technique, hein, mais... Alors quand tu fais les 120 ce que tu es dans le temple oublié, je m'en rappelle plus du tout. J'avoue, je m'en rappelle plus du tout. Est-ce qu'il y a un truc à trouver là-bas? Peut-être que je l'ai fait et que j'ai le truc, hein, mais... Alors là, je t'avoue que... Je suis pas trop loin. On va essayer de là. On se détend. Hop, allez. Cinétis. On se met là. 3. Allez, stop. Ah non, mais elle rebondit. Punaise. Ah. Olivia la douceur, le kabuki, bonjour Olivia. Alors j'ai trouvé une noix, mais je sais que j'ai un caillou à monter, mais à part faire un cinétis, je vois pas trop comment monter cette pierre. Bah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que j'ai plus les réflexes. Du coup. Pour moi c'est ça. Hein, parce qu'après. La lancer, c'est trop haut. Comment je pourrais faire? Je peux te poser une question sur Mipha, l'ami? Oula! Je suis timide. Olivia, alors oui, tu peux me poser des questions sur Mipha, mais je te dis, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Parce que j'ai eu le jeu de moi depuis Day One, hein, depuis 5 ans. Je l'avais bien poncé, je l'avais repris pour les DLC. J'en suis à 62% du jeu. Mais oui, tu peux me poser une question sur Mipha. Tu peux me rappeler comment Mipha est décédé? Non, je m'en rappelle plus. Désolé, j'ai fait tellement de jeux entre temps. Donc si tu cherches un fan absolu qui connaît le lore par cœur, malheureusement, c'est pas ici. Et merci pour le follow. C'est Ganon qui a mis fin à ses jours. C'est possible, je t'avoue que... C'est une bonne question parce que ça me fait réaliser que... J'ai oublié pas mal de trucs quand même. Il n'y a pas de problème, ok. Du coup, moi il faut que je monte ma pierre. Sympa en tout cas le petit jeu de mots. Bah ouais, mais le problème alors c'est qu'elle rebondit. Mais c'est des blagues ce qu'elle dit. Mais attention, on vous aura prévenu. J'aime bien, j'aime bien. Ouais ouais ouais, Athéna, c'est du... C'est du jeu de mots avec, avec le lore de Zelda. Wiki fandom Mipha. Merci Kiniku. Et salut Miku, comment ça va? T'as vu, on est matinaux. Parce qu'il roule pas sur l'or. Yeah. Donc c'est la troisième déjà ou quatrième Olivia que tu nous fais? Allez, on va le retenter. Peut-être de plus loin en fait. Mais bon.
Tu te rappelles de ces korogus, Miku? De ce korogu qui est là-bas? Faut que je monte une pierre et à part faire un cinétis, je me rappelle plus comment je pourrais faire. On va essayer. Ouais, en plus, il y a les deux pierres à côté là. On va le tenter comme ça. Non. Non. Bon là c'est foutu. Hein. On est d'accord, ok, salut. Hop, on en prend une autre. On prend les mêmes et on recommence. Non, elle est passée de l'autre côté. Ah, donc Athéna, tu as déjà vu Olivia sur d'autres lives. Olivia la douceur. Est-ce que tu connaissais du coup déjà ces petits jeux de mots? Alors. Ok. Bon, tant pis. Non, c'est pas le bon côté. Là non plus. Ah bah mon arme est pétée, ok. Ah, pas mal. Alors ça rebondit, non? Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'avais essayé avec les ballons de baudruche, mais ça n'a jamais marché. Ah, donc tu n'as pas réussi à faire ce korogu non plus. Bon. Là, je crois que la pierre est allée de ce côté, hein. Bon là il pleut, je peux pas monter. Ouais, je pense que c'est du cinétisme, alors il faudrait que ça rebondisse bien comme il faut. Ça va être trop là, non? Non, c'était pas assez haut, ouais, on est plus bas là. On est plus bas. Alors, bah, il faut aller de l'autre côté. Hein. Ah, t'étais arrivé comme j'avais fait, ok. Eh bah, ben, il va falloir s'accrocher. Merci, Miku. En tout cas, j'espère que ça se réveille bien, mon petit Miku. Sinon, s'il y a plein de pierres ici, c'est pas pour rien. On est d'accord. Elle n'est pas partie? Et salut Kimi! On a trouvé un korogu avec le masque. Donc c'est sur le toit de la maison. Et j'essaye d'aller y balancer une pierre hein, parce qu'il manque un caillou. Pas facile de trouver le bon sens. J'essaie de faire pas trop fort. Non, elle veut pas partir. Elle veut pas partir celle-là. T'as fini le jeu? Salut Rick et Momo. Oui, je l'ai fini il y a longtemps hein, parce que je l'avais eu Day One. Je suis à 62% quand je vais sur la map. Et il manque 450 noix à peu près, un truc comme ça. Et du coup, bah, j'ai décidé de le reprendre après des années de break, on va dire. Et là, bah, je fais les noix, je regarde un peu l'émission X, il m'en manque. Voilà, c'est mort.
Il a l'air un peu lourd ce caillou quand même. Et j'essaye désespérément d'avoir cette noix là. Voilà où on en est, Rick. Et on va passer la matinée comme ça, tranquillou. Pas le bon plan à l'avance. Donc je me remets un peu dans les boutons, les manips, etc. Le gameplay. Hein. Excusez-moi si je suis un peu maladroit. Mais c'est normal. Peut-être avec ça. Peut-être. J'ai peur que ce soit trop fort à chaque fois. Là, on est en orange, on va voir. Il est parti en bas, non? Alors, ici ça me paraît être le bon spot. Avec la manette à l'envers, tu arriverais mieux? Non. Non, j'y arriverais vraiment pas mieux. On n'est pas sur le shoot'em up il y a 2 semaines là. Bon bah alors, ah oui. Je vais essayer de faire plus que l'orange. Voilà, deuxième orange. Non, ah il a rebondi sur le bord. Ça c'est moche. Bon. Lui, je crois que c'était celui qui était un petit peu lourd. Hein. Presque, merci Kimi pour ton encouragement. Pas loin, nous dit Miku. Allez, on se réveille comme ça des matins et puis on se donne des petits défis. Ah, j'ai pas choisi l'arme. Un truc qui tape rapide. Ah, faut aller. Sinon, il y a ça. Allez, on va voir là comme ça. Elle est passée derrière, on est d'accord. Hein. Un ou deux coups en plus et c'est bon. Tu peux le faire. Merci Athéna. J'aime cet esprit. Alors. On a dit que c'était à peu près par là. Non, c'est pas le bon côté. Oh, c'est mort, c'est mort. Il faut quand même y croire. Non. Ah, sur le toit, il est tombé. Derrière, c'est dommage. Si ça se trouve, je vais aller là-bas. Après, il y aura 15 millions de pierres. Mais je ne crois pas. Yeah, tous les emotes. Elle a l'air lourde, celle-là. Hein. Ok, ok. Ah, deuxième orange, je crois que c'était trop. Mais là, on est bien en face. Ça va rebondir, non? Ouais, ça rebondit. Ça rebondit, ok. Merci Kiniku, notre modo national, pour ta vigilance. Non, c'est pas bon. Une fois que c'était pas dans l'axe. Ah, sur le rebord, c'est moche. Bah, plutôt sur la fenêtre, j'irai. On continue, on s'accroche. Une noix est une noix, vous le savez. Ah, est-ce que je devrais pas me mettre de ce côté-là, peut-être? Évidemment, on est en train de bousiller toutes les armes. Non, j'étais mal placé. Toutes les armes vont y passer. Bon, c'est pas grave. Hein. Déjà, j'en ai plein dans ma maison. Et puis après, ça se retrouve, les armes.
Mais ouais, toutes les armes vont y passer. Why not? Surtout toutes les pierres, parce que là, ça pop plus là. Alors, une petite pierre, s'il vous plaît. Je suis en train de lui massacrer sa baraque. Celle-là me semblait un peu plus grosse que les autres, mais bon. Alors, si je me mets plus loin, sinon... On a fait 3 oranges, là. Ah ouais, c'est bon, là. À moins qu'elle soit repassée de l'autre côté. Ah, il voudra pas monter là. Ah, c'est pas grave. On va se prendre un petit arbre. Alors. Alors, il était bien ton concert. C'est cet après-midi à 15h, Kibi. Hier, c'était en live sur Arte. Parce qu'il y a plusieurs représentations. Et sinon, moi, c'est cet après-midi à 15h. Oui, il est là, mon caillou. Ah, c'était moins une qui passe de l'autre côté. Hein. Merci de m'avoir encouragé. Je devrais aller chercher les marteaux à côté de la maison. Ouais, bah oui, tant qu'à faire, vu que là j'ai de la place maintenant. Nice, bien joué. Ok. À la revoyure. Il y a quelques années, j'avais quitté un taf et j'avais fait un mail de au revoir, etc. Et j'avais mis un korogu comme ça avec écrit à la revoyure à la fin du mail. Voilà, c'était la petite anecdote. Joli le GG, Kimi. En tout cas, j'ai regardé les 20 premières minutes du concert. Après, je voulais pas me spoiler et ça a l'air énorme. Ça a l'air énorme. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui sont pas sur le Discord, il y a Joe Hisaishi qui est en ce moment... Il y a encore un Korogu dans le coin. Il y a Joe Hisaishi qui est à Paris en ce moment pour des concerts. Et donc Joe Hisaishi, c'est celui qui fait les musiques de tous les Ghibli. Hein. Donc c'est lui qui a pondu la musique de Mononoke, de Chihiro, de Laputa, le château dans le ciel, un des premiers, Nausicaa, etc. Alors, où est ce Korogu, selon vous? Vous allez travailler un peu. Et Salam Zbog, le Salam. T'as vu, on reprend un classique. De bon matin. Ah, peut-être tout là-haut, non? Comment je vais monter là d'ailleurs? Non, c'est pas ici. Ah, ils ont filmé, ouais, ils ont filmé ce bug. Bah, c'était en direct sur Arte hier à 20h30. Et dernière représentation. En plus, j'ai eu un gros coup de bol parce qu'en fait, je suis allé sur Nojilon. Alors, pour refaire l'histoire, en 2020, j'avais capté qu'Isaichi venait sur Padam un petit peu tard. Il venait le jour de mon anniversaire. Et je me suis dit, bon, lui, je l'ai encore jamais vu, faut que j'y aille. Il n'y avait plus de place, c'était complet. Après, ça a été annulé, mais ça, je ne le savais pas. Donc, ça fait 2 ans que je suis deg de l'avoir loupé. Et en allant sur Nojilon, Nojilon. En allant sur le site pour regarder un truc dont ma fille me parlait là, parce qu'elle me parlait d'une nouvelle série qui s'appelle Spy Family, je tombe sur un article qui dit qu'il y a Hisaishi là dans ce week-end, enfin surtout qu'il passe sur Arte et tout. Je dis merde, je l'ai encore raté. Et j'ai filé sur le site de la Philharmonie, il restait 2-3 places. Et j'ai dit allez, on réfléchit pas, on y va.
Bah, j'ai pas encore regardé Zbog, mais ma fille s'est acheté les mangas du coup après avoir vu le premier épisode. Les mangas papier, elle kiffe, donc bah du coup, je regarde un peu aussi pour voir ce qu'elle regarde et à quoi elle s'intéresse. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait le concert, etc. J'ai hésité un peu, puis j'ai dit vas-y, go, faut y aller. Et donc tu l'avais vu à New York, ouais, de toute façon, le père Hisaishi, faut le voir une fois dans sa vie. Moi j'avais vu aussi Nobuo Uematsu pour le FF Distant World. Voilà, histoire de prendre un peu son ki. Alors on sait qu'il y a un Korogu dans le coin, mais où ça? Il fait que pleuvoir dans ce bled. Regarde l'app Takiyomi sur Android. Uematsu, je l'ai eu en interview au Japon pendant 8 heures. Ah, ça, c'est énorme. Hein. Uematsu, ce qui m'a marqué, c'est que quand je l'ai vu, on s'est pris les mains. Et déjà, c'est un gars super, super sympa, super gentil. Et ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'il a les mains ultra rugueuses, en fait. C'est la première impression que ça m'a fait. Alors, sur le toit, la fleur, je ne l'ai pas vue. Alors, quel toit d'ailleurs? Est-ce que c'est celui-ci, Kimi? Je me suis un peu déconcentré des Korogus, désolé. Ah ouais, carrément. Mais il a un petit problème, il a un petit syndrome de l'imposteur, Uematsu, parce qu'il n'a pas fait de. Il n'a pas fait d'école du solfège, on va dire. Le toit avec trois arbres. Le toit avec trois arbres. Ouais, ok, merci Kimi. Ah ouais, bah en même temps, vu ses musiques. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Uematsu. C'est partie des maîtres pour moi. Hisaishi aussi, c'est pour ça que je vais le voir tout à l'heure. Et donc, ouais, les 20 premières minutes que j'ai maté sur Arte hier avaient l'air de bien, bien, bien démonter quand même. Hein. Donc, il joue sa symphonie numéro 2. Bon, tant qu'il pleut, ce que je préfère, c'est faire un feu. Est-ce qu'il va tenir avec la pluie? Je sais plus. J'aurais pu faire un feu et me propulser. Ah oui, sinon j'ai le pouvoir de Rivali. Comment on fait déjà? Ah oui, on reste appuyé sur X. Et on lâche. Voilà. Alors tu me dis qu'il y a une fleur ici. Ah non, je savais pas qu'il avait ouvert une école de musique. Ça, je le savais pas. Je suis en train de lire sa bio d'ailleurs, mais c'est un pavé comme ça. Bah, quand je te dis que c'est un gars gentil. Alors, la maison aux trois toits. Est-ce qu'il y a une fleur sur un des arbres? Ouais. Ok, merci Kimi. Hop. Non, les gars. Il est tombé. Alors, elle est là, la prochaine. Et voilà, merci Kimi, tu as participé aux 900 noix qu'on aura un jour. On est parti d'en bas de la map. Hein. Bon, je suis arrivé là au tout début, c'est qu'ils ont la VOD. J'ai pris la foudre, il me restait un quart de cœur, je suis parti direct. J'étais pas prêt. J'avais pas encore bien tout repris en main.
Du coup, on se balade, on a des missions ex à faire aussi. Hein. Je pensais que j'avais tout fait, puis en reprenant le jeu, j'ai vu là dans le journal. Alors, il m'en reste pas mal. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un petit carnet qui m'en a ouvert d'autres. Alors, on a le jeune enthousiaste. Si vous trouvez une hache gardien 2.0, il faudrait que j'y aille en fait, parce que j'en ai une, hein, il me semble. Ici, là. Ouais, donc on va aller lui donner. On va éviter de la casser d'ici là. Hop, on va aller au sanctuaire direct. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas vu le jeu depuis longtemps, ça permet de revoir un peu tous ces magnifiques décors, se balader sur la map. Voilà, c'est chill, on est tranquille. On avance. Ouais, donc 444 noix pour ceux qui se demandaient. 443, pardon. Et il y en a 900, donc il y a du taf. Il y a longtemps que j'étais pas venu dans ce village et j'adore la musique de ce village. Ah, faut trouver le gamin. Il est dehors, hein. Ah, moi qui soit là, non, c'est pas un de ces deux gamins. Journal. Oui, si, c'est lui. Eret. Alors lui, c'est Eret. Et il dort, voilà. Je lui ai amené sa hache, il dort. On va tout casser, comme dirait S-Bug. Alors, je sais plus comment on voit l'heure dans le jeu. Si, en bas. 7h, ok, bah, il va pas tarder à se réveiller. C'est pas un matinal comme nous. Alors, au niveau des objets, level up pour Miku, toujours numéro 3 au classement. Avec un niveau à 89 quand même, ça blague pas. Alors, je voulais tenter un petit truc de dingue. Et on va attendre jusqu'à midi. Histoire qu'il se réveille. Et Kimi qui reprend un gimmick de Miku pour féliciter Miku. Bah du coup il s'est barré, ok. Merci pour ta fidélité. Du coup on a perdu gamin. Ah, je voulais faire Yamakasi passer par les toits, voilà.
J'ai trouvé. Ah, un petit cadeau. Ah, pas des rubis, ok. Ça vient de mon grand-père, il m'a dit de l'offrir à la personne qui monterait des super armes. Alors tu vois, c'est toi cette personne. Alors, tu sais ce que j'aimerais bien que tu me montres ensuite? Oh là 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 là. Le trident des glaces. Je m'en rappelle plus. Ça, c'est sûr que je l'ai pas sur moi. Hein. Le trident des glaces. Ça me dit plus rien du tout. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ça? J'ai pas des super armes d'ailleurs. Pas de korogu dans le coin. Dans le village Zora, ouais, alors trident chez les Zora. Sinon du côté de. Du côté de la neige. Je crois que je pourrais pas monter là, si. Ah, il n'y a plus d'endurance. On peut aller voir du côté des Zora. Qui sont oui par là ah, peut-être là peut-être par là on va aller voir ce qui se passe ici et dans des glaces il y a tellement d'armes que j'ai complètement zappé. Du coup, Kimi, t'avais eu la moto, Miku aussi. Vous avez fait le dernier sanctuaire, on va dire. Le dernier palais. Bon, là, je suis un peu venu à la Sgenoway. Hein. Oui, je l'ai. Ah, c'est trop classe la moto. Et on fait du base jump. Il me manque peu de sang. Ah, tu n'as pas fait tous les sanctuaires encore. Ok. Moi, c'était un objectif que je m'étais donné. J'ai trop kiffé les sanctuaires dans ce jeu. Les musiques qui est dans les sanctuaires aussi. En tout cas, pour ceux qui n'ont jamais fait ce jeu, ce qui est vraiment top, c'est de pouvoir aller vraiment où on veut et que sur les bords de la map où ça s'arrête au bout d'un moment, mais c'est quand même assez immense. Entendu comme moi. On pouvait monter aux cascades, non? Comment on faisait déjà? Il faut le casque, je crois. Il manque 3 cages, je les trouve pas et je veux pas tricher. Ouais, t'as bien raison, moi c'est pareil, hein, j'ai pas triché.
entre guillemets triché, je me suis pas aidé, on va dire. Ouais, on lui a déjà parlé. Alors rafraîchissez-moi la mémoire. Pour monter aux cascades, il faut le casque ou la tenue Zora, non? Je dis pas de conneries. Les équipements, c'est par là. Alors. Casque Zora. Attaque tornade, ouais. Tenue Zora, c'est la tenue. Merci Kimi. La tenue complète? Non, juste la tenue. D'ailleurs, il me manque deux masques des champions. Je dis pas de conneries non plus. Alors, où est ma tenue Zora? Ah oui, permet de remonter facilement les cascades. Alors peut-être que ça n'en est pas une. On peut pas remonter par là? Non, peut-être pas. Alors où est-ce qu'il est, ce Korobu? Je le verrai bien en haut quand même là. Là ça serait trop flag. Peut-être ici, non? Non. C'est dans le coin. Est-ce que je peux monter là? Ah, il est là? Eh oui. On va pas monter avec le rebord, je crois. Cool. Trouvé. Allez, un de plus. Ça aide vraiment bien, en tout cas, le masque. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver un trident des glaces? Selon vous, chez les auras ou ailleurs? Hey. Dormir, non. J'ai pris un lit normal, donc je vais pas dormir. Après du sanctuaire, tu aurais carrément un souvenir d'un objet. Alors, lequel? Et qui est là, peut-être on va aller voir. C'est vrai qu'il y avait un objet, mais je crois pas que ce soit un trident. Je sais plus. C'est pas une lance.
444 noix. Ça, c'est cool. J'ai souvenir d'un objet dans le coin, mais... Ah oui, c'est là. Hop. Bon, on va pas cracher dessus, les pélongues Zora. Mais c'était pas ça. Bien vu. Bon petit souvenir, là, de Timmy. Sinon, pour aller voir par là, mais bon. Je vais dézoomer. Là, on a un relais, on a des relais. Temple oublié. Ouais. Alors, j'avais mis une balise, mais je sais plus pourquoi. Ça fait tellement longtemps. Ça peut être n'importe où. Bon, je pense qu'on va plutôt se concentrer soit sur une autre mission X. Alors, les épreuves de l'épée, pas fait. L'armure de l'au-delà. Donc ça, c'est le carnet dont je vous parlais tout à l'heure. La capuche mercantile. Donc il faut bien connaître la map et je l'ai pas mal zappé. Donc si on fait l'armure de l'au-delà, l'armure de l'esprit maléfique qui a pris l'apparence du seigneur du malin se cache dans la forêt de Firon, sous la troisième cascade consécutive au nord du lac Faroria, près d'un pont qui enjambe une petite cascade sur la Faroria, près d'un oiseau de pierre brisé. Alors déjà là on a pas mal d'indications, donc on va y aller. Donc forêt de Firon déjà, lac Faroria. Alors... Elle était où la forêt de Firon? Là. Ah, lac Dracos. Lac Dracos. Il y avait quelque chose sur le lac Dracos aussi dans une autre. Une autre énigme. Alors on cherche. Non, c'est pas ça. Le lac Faroria. De Faroria, lac Faroria, on est dans le coin là. Allez, on y va. Alors, ça parlait d'un pont, il me semble. Alors, sous la troisième cascade consécutive, près d'un pont qui enjambe une petite cascade. Ah, il y a un corogou dans le coin. Un petit point d'exclamation rouge. Et je t'en peux plus, j'ai si peur. Je ne comprends pas pourquoi la foudre persiste à tomber ici. Je tremble dès que je sens un orage arriver. Je t'en prie, pourrais-tu trouver la cause de ce phénomène? Compte sur moi. Vraiment? Oh, merci. Peur, panique sur la foudre. Hein. C'est une mission que je n'avais pas vu ça. Tous les jours, Chimina est angoissée. Il semblerait que ce soit lié à la foudre. Afin de calmer ses peurs, il vous a demandé de trouver pourquoi la foudre tombe si souvent sur le relais du lac. Alors là, les amis. Yeah.
Moi, mon but, c'était de dormir pour qu'il n'y ait plus la pluie et que je puisse escalader. Et s'il pleut tout le temps dans le coin, on va voir. Ok, donc il y a un korogu qui se planque, peut-être là-haut, on va aller voir. Si vous voyez quelque chose, hein, n'hésitez pas. Plus dans le coin, donc c'est plutôt par là. Ça s'agit toujours dans le coin. C'est plus par là, donc c'est vraiment par là. Ça peut être par là aussi, hein. Non, là le masque ne s'agite plus. Thank you.
Est-ce qu'il se cache le petit coquin? Alors... Non, là, ça scintille plus. Si, toujours. C'est dans le périmètre. On est où? Bon, on va se concentrer sur la mission X et puis on reviendra du coup. Qu'en pensez-vous les amis? Alors, pont de Faroria. Est-ce qu'il enjambe une cascade? Qu'est-ce qu'on nous dit? Comme tu le sens, c'est pas évident ces noix. Des fois, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, on fait au feeling. On est là. L'entrée dans les glaces, c'est pas ce que je cherchais. C'était. Voilà. Alors. Fait d'un pont qui enjambe une petite cascade sur la Faroria. Fait d'un oiseau de pierre brisé. Oiseau de pierre brisé, donc c'est une statue. Alors, TikTok Aïdio, salut, bienvenue. Et Tiniku, je dois aller en course au Kabuki, je sais pas si je reviens tout à l'heure, je reste en lurk. Merci beaucoup. J'essaierai de me modérer entre deux, mais pas sûr. Des bisous. Des bisous, Tiniku, et puis bonne course. Et merci d'avoir été là. Merci pour le lurk aussi. Alors, du coup, un relou. Où est-ce qu'il pourrait y avoir une statue d'oiseau brisé dans le coin? Ah, j'avais plus souvenir de... Et merci pour le follow TikTok. Merci Kimi. Merci, merci. Je me souvenais plus de ces coffres. Je peux pas monter dessus. Alors... On va essayer de les ramener près d'un bord. Sauf que là, on va bientôt plus avoir d'endurance. C'est un peu la misère. J'ai pas un petit plan enduro. Si. Je l'ai fait tout à l'heure, d'ailleurs. Je sais pas si ça suffira. Et donc, TikTok, je vais taper TikTok. Ah merde.
Vitalis, ouais. On a encore de l'enduro, ouais. J'ai découvert la chaîne grâce à Breath of the Wild. T'es grand fan, ou t'avais juste envie de chiller un peu. Alors on va récupérer un peu ici. Je sais pas ce que c'est ces coffres. Et comment je fais pour les choper? Ah déjà il y a un coffre là-bas. Hop. Je n'aurais jamais trouvé du coup. Peut-être pas trop venu par là. Hein. Un grand boomerang, ok. Peut essayer de les faire péter, peut-être. Et mes deux premiers chats sur Cozy. Ah, classe. Ah, t'avances bien, Kimi. Ah, ça fait un peu loin ça. Avec le courant, je sais pas si ça va rejoindre le coffre. Je sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être plus par là. Je tente des trucs, hein, les amis. Je sais pas si vous les aviez trouvés de votre côté, ces trois coffres. Et on peut pas monter dessus. Voilà, c'est trop loin. C'est trop loin. Comment on va faire? Au moins essayer de s'en faire un, mais bon, au niveau de l'endurance, c'est pas top. Non, on peut même pas trop le pousser, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié dans ce jeu que je pourrais faire? De la glace en dessous, oui, c'est une bonne idée, mais alors il faut que je trouve un spot. Et là, il faut que je trouve un spot pour me poser. Et là, effectivement, il n'y a rien, c'est sûrement fait exprès. Alors, parce que de là-bas, la glace, ça va être Tendax, non? Mais bien vu, Kimi, c'est vrai, j'avais zappé cet aspect, effectivement. Troisième d'ailleurs. Ah oui, il s'est rapproché de là-bas. Est-ce que je serais pas plus près d'ici? Ah, tu avances avec la glace. Oui, aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors. Bah, ça, déjà, tant pis, hein. J'aurais même peut-être pu le mettre en dessous. Bien vu, Kimi. C'est vrai que c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans?
Ok, c'est pour du rubis. Non, je l'ai pété, c'est ça? Ok, c'est pas grave. C'est pas grand chose. C'est toujours ça de prime. Alors, on recommence. Il y en a un qui est tombé, c'est pas grave. Un arc Zora, ok. Un petit trident des glaces, ça serait sympa. Et une opale brute, ok. Et la foudre arrive. Pas bien. Alors, on va retourner au relais. On a cette petite énigme de la statue d'oiseau brisée. On n'est pas loin, on est dans le coin, on va trouver. Il y a toujours ce Korogu qui nous nargue. Oh. Alors, on va dormir. Oh. Jusqu'au matin. Il est déjà bientôt 9h. Ah. Ça faisait longtemps. Donc, où en étions-nous? On a le pont ici. Est-ce qu'on voit d'autres choses? Lac Faroria, un pont qui passe par-dessus une cascade. De toute façon, ça doit être ce pont-là. Et ben, on va retourner voir. On voit quelque chose. On a pas mal de piliers pétés, mais ah, j'ai plus de flèches. Mais je vois pas de statue. Les cascades elles sont là-bas. Oh, le dragon qui démarre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
On va revenir sur l'énigme. C'était là. Dans la forêt de Firon, troisième cascade, au nord du Larc Faroria. Près d'un pont qui enjambe une petite cascade. Alors, le Larc Faroria, il est là. Le nord, donc ça serait là. Là, on a des cascades. Un pont qui enjambe une cascade. On a les trois cascades. Là, on a encore des cascades. Et là aussi. Je ne sais plus où est-ce qu'il y aura un pont dans le coin. En tout cas, on ne l'aurait pas trouvé. Il n'apparaît pas sur la map. Je vais me téléporter par là, puis on va visiter un peu. Ah, il y a un Korogu dans le coin. Est-ce qu'on peut éclater cette pierre ? Non, je veux pas faire ça. Alors je sais pas toi, Kabou, mais dans ce cerf, j'accroche pas plus que ça. Il est très difficile. C'est surtout ça en fait. Mais je décidais de m'accrocher, mais effectivement, ça peut décourager. Il n'y a rien. Ah, il y a un truc là-bas. Ouais, bon, ça, c'est plutôt assez courant. Trop loin, hein. Ouais. Alors. Je suis encore trop loin. Ok. Donc ouais, je comprends. J'ai eu un petit peu ce sentiment, Kimi. Donc c'est vrai que je l'ai pas streamé cette semaine d'ailleurs. En tout cas pas. Je sais plus quand c'était. Vendredi, ouais.
Vendredi, j'ai plutôt préféré refaire du Rune Factory. Mais je vais m'accrocher quand même. Ah, il me saoule lui. Ok, il a décidé de me saouler. En plus, j'ai rien pour le buter. Que je tente quand même d'avoir le coffre. Peut-être le fracasser à coups de coffre. Hein. Il est où d'ailleurs le coffre? Alors, je crois que je n'ai plus de flèches. Hein. Alors. Non, c'était. C'est pas ça. Pour l'arc, je sais plus. Je ne me rappelle plus du raccourci de l'arc. Là, c'est bouclier. Là, c'est arme. Ça commence à être critique, là. Ah bah voilà. Ah non, ça va. Sauvé par Mipha. Comment je peux faire pour m'en sortir? C'était pas ZR, si. Et pour les flèches, voilà. J'ai que des flèches de feu. J'en ai grillé une. Je vais me prendre la foudre encore. Bon, alors. Bouclier déjà. Hop. Bon, je vais me téléporter, hein, parce que là, c'est la misère. Dur, dur de s'y remettre quand ça fait un petit moment. Même si ça revient assez vite. Hein. Ok, donc on était par là, il me semble. Cascade de Faroria. Oui, mais c'est pas évident. Tu parles de Don't Starve, Kimi. Très très bon Zelda. Ah, il est magnifique ce Zelda. Imagine qu'on y revient comme ça, là, 5 ans après encore. Toujours aussi beau. Tant de choses à faire. Ils avaient bien assuré sur les DLC aussi. Sacoche, hop, on a bouffé un truc. Alors tout ça c'est de l'enduro, on a de la life, ok. Et bien le bonjour monsieur le Quack. Comment ça va ce matin? J'aime pas, je sais même plus quelle heure il est, vu que je me suis levé hyper tôt. C'est 9h du mat déjà. Passe vite. Ah, il y a encore des coffres là. On va se faire un petit plaisir. Alors. Non. Comme d'hab, on a une petite bombe qui traîne. Et un petit pouvoir de glace. Ah, des flèches de glace, ça c'est bien pour l'autre taré là-bas. Il est au bord, enfoiré. Je me réveille tranquillou.
Eh bien, réveille-toi bien, c'est dimanche, pépouze. Ah, de s'y remettre, tu disais Kimi. Ouais, ouais, c'est pas évident, mais bon, ça va encore. C'est vrai qu'avant, j'étais beaucoup plus agile. Là, dès que je me fais emmerder, je me dis, bon, alors, comment faut faire déjà? Là, tu vois, je me fais embêter bêtement. Ouh, elle est haute cette montagne. Alors, heureusement que j'avais plein de petits plats à préparer. Qui me permet de quand même reprendre la partie. Plus ou moins tranquillou. C'est vrai qu'en cuisine, là, je m'éclatais bien dans ce jeu. Un peu loin du poulpe. Bon. Ici, il y a le sorcier. Alors, c'est là qu'on était en plus. Alors, l'arc. Non, c'est pas ça. L'arc, c'est là, ok. Alors, l'arc royal, par exemple. Après, je change de flèche. Hop, avec ce raccourci-là. J'essaie de me le farcir. Voilà, ça c'est fait, déjà il m'emmerdera plus celui-là. J'ai plus de place. Et donc mon souci, il était là. Du coup, maintenant que j'y pense, un petit bloc de glace peut-être sous le caillou, non ? À chaque fois, je me trouve avec une bombe. Alors, lancer. Hop. On l'a fait péter, ok. Donc, la glace. Ça n'a pas passé, là, si. Ah, peut-être. Non, ça l'a poussé, en tout cas. Ok. Et donc, je pensais qu'il y aura un Korogu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Pourquoi il y avait cette pierre qui était là? Comment on pouvait la saisir? Je suis bête. Particulier ici. Ok, bon. Est-ce que tu as déjà mis les mains sur un Zelda, Mister Le Couac? Ah, on ne faudrait pas le mettre là, le caillou? Non, ça serait un peu abusé, non? Ça me parle pas, des trucs du genre. Je peux essayer. Non.
Bon, pas grave, on le laisse là. Alors, par rapport à notre petite quête du jour, on est au lac Aztex. Là, il y a des cascades. Et je vois pas de pont. Jamais, j'avoue, j'ai toujours été PS. Ah bah oui, c'est une exclu Switch. Effectivement. Écoute, il y a de quoi faire dans ce jeu. Hein. C'est une dinguerie. Lac de lutte. Donc, alors ici, on a Faroria, on a le nord. On a les cascades. Je vais continuer à aller voir par là-bas, mais... Et on nous dit bien qu'il y a un Korogu dans le coin. Peut-être plus bas. Peut-être contre la falaise, une fleur ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Descendre. C'est peut-être là le Korogu. Sûrement même. J'ai toujours regretté qu'il soit que sur Switch. Tu sais que j'ai peur, hein, j'ai peur qu'un jour Nintendo, ça va être bizarre ce que je vais dire, s'ouvre et qu'on puisse le trouver sur PC et d'autres consoles en fait. C'est notre petit trésor Zelda. Ok, 445e noix. On en cherche 900, Mister le Quack. On a une petite aide avec le masque qui teinte, je veux dire. Il fait un petit bruit quand il y a un Korogu dans le coin. Ce masque-là. On ne voit pas à travers les feuillages, je suis camouflé. On est sur une énigme aussi, alors... Par rapport à la map, je suis là. Compliqué d'acheter une console juste pour un jeu, c'est vrai. Mais après, il y a tellement d'autres jeux que tu pourrais faire. Mais effectivement. Mais juste pour un jeu, tu sais que j'ai failli le faire pour des jeux comme Last of Us ou des choses comme ça. Hein, sur ou 13 Sentinelles. Et finalement, non. On va pouvoir la bouger d'en dessous. Je pense. Alors, Tinnitus. Non. Ah non, on peut pas. C'est ballot. Alors. Même pas le moindre rebord. Il y en a un qui me saoule là, ça y est. Alors, il est où? Je le vois pas. Ah, il est là. J'aurais dû lui faire le coup du bouclier. Et des petits squelettes. On va changer d'arme quand même. Oui, la tête, elle est là. Hop. Et l'autre là-bas, il me saoule. Hein. Alors, les boucliers, c'est où? On peut pas faire un petit coup de bouclier? Si, normalement on peut. Voilà. Trop tard. Tiens. Pour l'instant, c'est lui qui mène au tennis. Hein.
Ça veut pas le buter. Voilà, c'est bon. J'en étais là, à la base. Parce que là, faut pas taper dessus. Là non plus. Ah, je me prends des trucs pour la tête pour des trucs que d'habitude. Ça aurait été vite réglé. Si, on va faire comme ça. Ok. Un peu chelou, mais bon. Ah, ça a pas trop bougé. Ça a pas trop bougé. Alors, on va le faire de ce côté-là. Déjà, on va prendre une autre arme. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? La hache. On n'a rien d'adapté là. On n'a pas de marteau. Yes, ça a bougé. Mais il n'y avait rien. Ok. On entend encore un korogu. On sait que c'était un petit rebord, ça. Il a plus de flèches. Ah, j'ai une flèche enflammée, moi. Foiré. Ok. Il va repleuvoir, je vais me retaper la foudre, etc. D'ailleurs, la foudre, c'est dû au dragon, je pense. Pour l'histoire de la fille qui avait peur, là. Comment on lui explique ça dans le jeu? Ça, on l'a déjà lu. Ok. On va dormir tranquillou. Alors sinon, vous n'avez pas une petite idée pour cette énigme là du coin? Je pense que c'est dans le coin, hein, mais vu qu'on nous parle du lac où on est, etc. Je vais la relire pour essayer de bien la comprendre. Alors, tac. Donc dans la forêt de Firon, sous la troisième cascade au nord du lac. Ok. Donc sous la troisième cascade au nord du lac, près d'un pont qui enjambe une petite cascade sur la Faoria, près d'un oiseau de pierre brisée. Donc au nord du lac, il y aurait un pont déjà. Donc une petite cascade qui dit quoi? Une petite cascade sur la Faoria. La Faoria, je dirais que c'est ça.
Hop. Là, je vois un pont. Ça fait un petit peu plus loin quand même, hein. Mais pourquoi pas? Allez, on va aller sur la tour pour se rapprocher. Ah, je me rappelle quand il y a la première tour qui était sortie de terre là, c'était une dinguerie. Alors là, on est sur la Faroria, à moins qu'il y ait un pont que j'ai pas trouvé. Après, je vois pas de cascade. Là, il y a des cascades, ok. Plus loin, peut-être. Là, il y aura un autre pont. Non. On va aller sur le pont du chirurgien, on verra bien. Oui, grave, nous dit Kimi. Ouais, toi aussi, t'avais eu. En plus, la console venait de sortir, c'était un truc de fou. Ah, il y a une petite cascade là. Ok. Ça paraît. Voilà, là aussi il y a une cascade. J'ai plus de flèches, c'est dommage. Est-ce qu'on parle de ça là? On se pas. Je regarde ce qu'il y a là-dedans. De l'ombre. Ah, il insiste lui. Hein. Oh non. Voilà. Flèche de feu, ça peut toujours servir. Alors, qui c'est qui fait sa musique là? C'est lui? Musique stressante. Non! Bon, c'est pas grave. Comment je range l'arc? Voilà, comme ça. Donc là, j'ai mon pont, j'ai ma cascade. Et j'ai une cascade plus basse. Mamouri! Est-ce qu'on a quelque chose par là? Là, il y a quelque chose. Il y a un coffre. Il y a toujours un coffre de plus que j'avais pas trouvé. Ah, il est beau ce coffre. C'est un ex, donc c'est bon, on l'a trouvé. Armure spectrale. Cette armure était portée par un esprit maléfique que le seigneur du malin avait créé à son image. Il s'agit d'un article précieux et difficile à se procurer. Vous n'avez plus de place dans votre sacoche. Merde alors. Alors, plus de place au niveau de quoi? Des tenues? Plus de place tout court? Je m'en rappelle plus de ça. Non, les tenues, on se débarrasse pas de tenues quand même. Si? Bah si. On va se débarrasser de quoi? Ces vêtements tout court, hein, ouais. Ah, c'est moche, moi je veux rien lâcher là. Ça fait longtemps. Merci pour le GG! Ça fait tellement de temps que j'ai pas joué que vieux pantalon. Ouais, non, ça m'embête là de lâcher un truc. Vous en pensez quoi, les amis?
Ah, c'est parce qu'il faut aller voir Monsieur Noix pour augmenter le nombre de cases. Diadème en diamant deux fois. Ah, je sais pas. Là, il est trois étoiles. Il est tenu en double, que j'avais fait en différentes couleurs éventuellement. Et coucou Sonia. En fait, c'est pas limité, c'est qu'en fait, tu sais, tu augmentes le nombre de cases avec le gars qui joue des maracas, le Korogu. À chaque fois que tu trouves des noix, tu peux les dépenser en fait. Et ça voudrait dire que soit je vais aller augmenter, je sais même pas si j'ai ce qu'il faut. Soit je me sépare d'un truc. Alors là, je vois qu'il y a un doublon, je me dis pourquoi pas. Et comment je fais pour m'en débarrasser? Ouais, pour les tenues aussi, je crois qu'il y a des places, non? Parce que là, c'est embêtant ça. Moi, je veux cette armure là. Et comment je me débarrasse d'une tenue? Si tu t'en rappelles, Sonia, puisque tu viens d'arriver. Alors, réorganiser, ouais, ok. Choisir, faire pivoter. Choisir. Je l'équipe, bah, je l'équipe. Annuler. Alors là, je suis là, ça me pose une colle. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux récupérer cette armure, mais j'ai plus de place. Plus de place dans la sacoche pour les vêtements, apparemment. Option non, sacoche. Je vais dans les vêtements, effectivement, c'est full. Je vais me séparer d'une tenue, donc Sonia. J'en ai une en double. Ça voudrait dire qu'il faut la vendre. Ça veut dire qu'il faut que je revienne ici, en fait. C'est ça qui m'embête. On va faire ça, hein. On va mettre un marqueur. Un marqueur rouge. On va se barrer. Alors, si je me souviens bien. Je me souviens. Ah oui, c'est là. Korogu. Ouais, je pense qu'il faut la vendre. Ou sinon augmenter les cases vêtements. Mais je sais pas où j'en suis dans les noix que j'ai dépensées. Vu que j'en ai pas trouvé des masses là. Dans cette partie. Ah, il me semble qu'il était dans le coin, monsieur Maracas. Ouais, il est là. Parfait. Alors. Youpi, youpi. Si tu me donnes des noix au goût, j'agrandirai ta sacoche. C'est bien, hein? C'est bien. Quel compartiment t'intéresse? Ah, ben, il n'y a que les armes. C'est bizarre, ça. 55 noix. J'en ai trouvé 59 depuis la dernière amélio. Bon, bah, allez, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Ok, j'ai agrandi les armes, mais. Ouais, donc ça veut dire qu'on peut pas avoir de d'armure en double. Et on peut vendre les tenues? Je me souviens plus. Ah, j'adore ce village, il est mortel. C'est pas ici qu'il y avait un vendeur? Non, ça c'est l'auberge. On
vendre un truc. Alors, est-ce qu'on va pouvoir lui vendre une tenue? Ouais. Ça m'embête un peu, mais bon, ça va, ça reste du doublon. Ah, elles sont mes tenues, elles sont là. Donc, j'en avais une bleue et une blanche. Bon, on va vendre la blanche, allez. Ensuite, on va se re-téléporter. Alors, you, mon repère rouge. Je ne vois plus, je vois le vert. J'espère que je l'avais posé. On était vers Firon. On était. Non, on n'était pas vers. Aussi. Non, on n'était pas vers Firon. Je sais plus où on était, les amis. Et vers la forêt de Firon. On était par là. Est-ce que vous voyez mon repère rouge? Ah oui, on était vers le pont du chirurgien. Ok. Bon, bah on va y retourner, on va bien retrouver. Hein. Ah, j'aurais dû poser un point de téléportation en fait. Ça aurait été plus simple. J'ai l'impression que mon repère s'est pas mis en fait. À quoi qu'on les voit les repères? Non, on voit pas le rouge. Hein. On voit le vert, le mauve. Bon, bizarre. Pas dû le valider. Là hein. Ouais, c'était ici et ils l'ont remis là, les enfoirés. Ok, voilà, ça c'est fait. Ah, ça en jette, ça en jette. Hop là, il s'est cassé la gueule. Alors, on va aller voir les autres indices maintenant. De pièces à trouver, 2. Ah, ah oui, d'accord. Alors, sous la troisième cascade consécutive au nord du lac Faoria, près d'un pont qui enjambe une petite cascade, donc ça c'est ce qu'on vient de trouver, et il nous reste près d'un oiseau dans la forêt d'Escara. J'avais pas capté que c'était trois endroits différents. Alors, forêt d'Escara. Forêt de Sarge. On reste quand même toujours dans le coin normalement. Elle est là, la forêt d'Escara. Hop, go, le sanctuaire. Donc c'est une tenue complète. On risque d'avoir le même problème du coup.
Alors, la forêt d'Escara, c'est plus bas, c'est ça. Voilà. Et on nous dit quoi du coup? Alors, peu de près d'un oiseau de pierre brisée. Serait plutôt par là. Ouais, on est en plein dedans. Tu as fini les autres pour ça, je pense. Quels autres? Non, je pense qu'il m'en reste deux à trouver. Il m'en reste deux à trouver, donc il me manque la cascade et l'oiseau. Une statue d'oiseau, ça me parle, hein. Donc, j'avais déjà dû passer devant. Tu es prêt pour le concert cet après-midi? Non, je suis pas prêt. Pour l'instant, je live. Après, je vais me préparer, faire la bouffe. Ah, le compartiment des noix. Ah oui. Ouais, je pense que j'ai fini. Ouais, mais le truc, c'est que... Du coup, comment je fais après pour le masque, etc. Les deux masques des prodiges. Alors, forêt d'Escara, c'est tout droit. On est toujours avec des trucs planqués dans l'eau. On ne sait pas. Est-ce que la forêt est considérée plus haut, plus bas? C'est bien là. Il y a quelque chose qui m'agresse. Ah oui, c'est vrai, là, les deux qui se font attaquer. C'est derrière moi. Hein. Et on se retrouve sur le pont qu'on connaît. J'espère que ça va bien, Sonia. J'ai pas demandé pour ce matin. Pour moi, ça, c'est des statues d'oiseaux. Et celle-là, elle est brisée. Alors, près d'un oiseau brisé dans la forêt d'Escara. Près d'un oiseau brisé. Ah, regardez. Et voilà, c'est tout simplement. Petit coffre X. Les grèves spectrales.
On n'a plus de place. Bon, là, l'heure est grave, les amis. Alors déjà, ce que je voudrais... c'est là, je crois. Hein. Où le point de téléportation qu'on avait gagné, c'est ça, voilà. Amulette de téléportation, placée. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de mystère. Je reviendrai ici. Les fringues. Alors, réorganiser. Hop. Sarouel de damoiselle, c'est vrai que j'en ai plutôt pas mal. Ça, je pourrais au moins en vendre un. J'en ai encore en double, ouais. Ok. Donc, Sarouel de damoiselle. Qu'est-ce qu'on pourrait virer? Chaussures du vent. Non, tout ça, c'est les tenues propres à chaque Zelda à travers le temps, on va dire. Chaque Link, mais bon. Chaque jeu Zelda. Là c'est pareil. Ah là j'ai une tunique noire, ouais, non. Bah non, hein, pour l'instant je vois que le Sarouel en doublon. Coiffe du prélude, coiffe du vent, tout ça j'en ai qu'une de chaque. Ça va être compliqué. Je sais pas pourquoi ça devrait être prévu quand même d'avoir le... Après on dit des armoires de filles. J'avoue que j'ai tout gardé là. Et puis j'ai bien... Par contre, là, il manque deux. C'est ça, ça m'embête. Hein. Il manque deux hommes de prodige. Je sais pas où je vais les mettre quand je vais les trouver. Et salut, Gumo. Gumo le Mog. Comment il va? On a un problème de place. Je trouve des tenues ex. Mais j'ai plus de place dans les poches, en fait. Et je ne peux plus agrandir les poches de vêtements. Donc je suis en train de regarder ce que j'ai en doublon. Et tout ce que j'ai trouvé pour l'instant, c'est le Sarouel. Je peux en virer un. Je viens de me réveiller, quelle classe. Je me suis levé à 5h30. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Ah, c'est vrai qu'il y a la tenue de Rex de Xenoblade aussi. Bah on va commencer par là, mais pour la troisième pièce d'armure, c'est le bordel. Hein. Après, on a le diadème en double. Il y en a un que j'ai monté au niveau des fées. C'est le même, hein, on est d'accord. Ouais, je vais le vendre. Je vais le vendre, mais ça m'embête. Alors, qu'est-ce qu'on a à proximité? Que dalle. Là, il y a un village. Allez, on va aller au village, puis on va vendre. Tu te lèves trop tôt le dimanche et fais pas dormir. Ouais, on me le dit souvent. Tu as raison, Sonia. Toute la journée va être longue. Et je vais encore ronchonner toute la semaine parce que je suis fatigué. Et puis le week-end arrive et je me lève pour faire plein de trucs. C'est toujours la même histoire. Les vacances, c'est la même. T'aurais pu dormir quand même. Surtout que t'as vu à quelle heure on s'est couché, Gumo. Je suis parti après ton live hier, je crois. Hi. Alors, on va pas se planter. Ah, on peut pas tout vendre, vous voyez. Ah bah oui, parce qu'on le porte, évidemment. Mais non, ça, on le porte pas. Bon, en tout cas, le Sarouel. Qu'est-ce qu'on a gardé pour le haut? On a gardé bleu, blanc, je sais plus. On a gardé blanc pour le corsage des demoiselles. Donc on va garder le blanc. Un peu de cohérence. Bon, ça, ok. Par contre, le diadème... mal au cul de le vendre, mais bon, on en a deux, on est d'accord. Abritant le pouvoir, c'est exactement la même chose.
Sauf que celui-là, la grande fée, a augmenté les niveaux. Bah allez, on va le virer. Ok. Ouais, minuit et demi. Ouais, c'est ça, minuit et demi, c'est bien ce qui me semble. Flèche en bois, flèche. Bon, on peut acheter des flèches, hein. Ah, ouais. Ouais, c'est juste ses stocks en fait, d'accord. Ça me manque un peu des fois quand je suis dans la galère, les flèches. Hop, on rachète tout aussi. Ok, alors comment on se téléporte au point de téléportation qu'on vient de poser? Je me rappelle plus. Bah, il suffit de cliquer dessus, je crois. Ouais, c'est bon. Du coup, Gumo, tu as déjà fini ce jeu et tu comptes le refaire de zéro ou tu l'as jamais... Je crois que tu m'avais dit qu'il te manquait la salamandre, hein, c'est ça? Dans ta première partie. Regardez comment il m'avait planqué ça, les enfoirés. Hop là. Les grèves spectrales portées par un esprit, ça donne de la discrétion. Tu le recommences de zéro, ok. Et on est en tenue ninja, mais plutôt maléfique, on va dire. Il nous manque donc le premier objet. On avait tourné autour du pot, et comme je lisais les trois objets en une énigme, c'était un peu compliqué. Donc ça serait par là. Mais là, ça me donne envie. Bah ouais, ouais, bah ouais. Chaque fois qu'on revoit ce jeu, on a envie. Alors, sous la troisième cascade consécutive au nord du lac Faroria. Alors le lac Faroria, il est là. Les cascades sont là. 1, 2, 3. Ah, cascade consécutive. Ça doit être ça. Celles-là, elles se suivent toutes les trois, alors que là, c'est plutôt soit on va à droite. Je ne suis pas sûr. Ah, Alexa, c'est... Désolé, Alexa, je ne sais pas. Stop. Désolé. C'est qui s'excite quand elle croit entendre son nom. Donc je dirais que c'est là, sous la troisième cascade consécutive. C'est une zone de DLC, ça. Ouais, ouais, c'est du DLC, les ex, il me semble. Ouais, c'est sûr. Ah, mais les DLC, ils sont mortels, Gumo. Ouais, y a un petit coucou à tous ceux qui sont en lurk. Merci de suivre, merci d'être là. Alors, la troisième zone, elle est là. Donc on va sortir de là déjà. Il va falloir de l'endurance là. Moi, j'ai vu juste ma soeur tâter une sorte de tour de combat. Ouais, ah ouais, t'as tout un tas d'épreuves. T'as un DLC où tu dois faire 4, 3 ou 4 points de... Je crois que c'est 4 points. Ouais, tu dois aller à 4 endroits, trouver des... Je sais plus si c'est des sanctuaires. Ah, c'est un peu laborieux, là.
Alors pourquoi montais-je déjà? Ah oui, pour aller à la cascade. Ah, il y a des beaux minerais ici. La dernière cascade, elle était où? Elle était là. Ok. Non, c'est pas le bon côté, attention. Ah, il est revenu, lui. Il va me saouler encore. On va lui tirer une flèche de glace, mais bon. Ça, c'est fait. Et donc il y a on va dire qu'il y a donc les quatre créatures ont des temples, on va dire, on peut appeler ça comme ça, et donc il y a un cinquième temple du homo qui te donne la moto. C'est quand même top classe la moto, hein. Étais-je? Voilà, sous la troisième cascade. Je crois que c'est ça qui est écrit. Hein. Sous la troisième cascade. Ok, tu vas m'influencer encore. Désolé, je n'ai pas d'action chez Nintendo, promis. Alors la troisième cascade, ça serait là. Ok, mais on y était tout à l'heure, il me semble. Bon, là, on est sur la cascade. Hein. Je suis quand même dans le doute, regardez. Il n'y a pas un truc planqué. Non. Eh ben on va descendre. Donc ça serait là, là où il y a le caillou. Ah ah, sois pas désolé. Ah oui, il y a un truc là. Ah, bien posé. Du coup. Ils tiennent le coup. Ouais, mais c'est pas des coffres ex. Opale brute. Alors, on va reprendre le petit radar. Ouais, il est là. Il est là, le coffre. Bien sûr, il est trop loin. Quel boulet. Alors, je me suis mis trop loin là aussi avec le bloc. On va péter celui-là. Non, il faut reprendre la glace. Bon, je fais vers le haut. Hop, voilà. Donc là, je pète ça. Je me refais un petit ici, ouais. Ensuite, j'espère que je me suis pas mis dessus comme un gland. Non, ça va. Ils sont beaux ces coffres, hein. Je les kiffe vraiment. On fait ça bien. Le masque spectral. Donc ça c'est bon. On a fait l'ex, armure de l'au-delà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ex? On a beaucoup, hein. Le harnachement antique. La rumeur prétend qu'il existe un filet qui augmente les performances des chevaux et une selle qui permet de les faire venir à soi en un clin d'œil. Il semble que l'édition spéciale X de Bourguette C'est Tout, consultable au relais des alpages, contienne des détails sur le sujet. Le relais des alpages. Et j'ai miné. Je sais plus où il est le relais des alpages. Rivière. Pourtant il est connu, hein. J'ai traîné un paquet de fois.
Vallée de la forêt. Marécage. Gerudo. Relais des alpages. Ça, c'est cool pour avoir le cheval de n'importe où. J'avoue. Tu l'as fait, Kimi? Relais des piafres, relais... Non, il est où le relais des alpages? Oui. Ah. T'as fait toutes les missions X? Là où je viens de galérer, là, tu l'avais déjà faite? Pas galéré, on y a passé un petit temps. Il est où le relais des alpages, les amis? Vous devez bien le savoir quand même. Il est très connu. Est-ce qu'il n'est pas vers les montagnes? Il n'est pas là, c'est sûr. Il est tellement traîné, mais je me souviens plus où il est. Prairie gelée. Delas. Abanta. Epona est là. Rivière. Bah, il est là. Voilà, c'est un des premiers. J'ai été surpris, hein. Je pensais que j'avais fait toutes les missions X, etc. Et en rallumant le jeu, j'étais plutôt parti sur les noix. Je dis mais attendez les gars là. Je me suis dit mon gars, t'as plein de missions X à faire encore. Donc, ça tombe bien vu qu'on rallume le jeu en live. Et merci la petite Caro pour ton indication. Et bienvenue sur le live. Alors ça doit être ici. Alors, Bourguette, votre spécialiste Esrago vient vous présenter un scoop qui remonte à bien avant votre naissance. Ouais, tant mieux, t'as raison, Gumo. T'as raison, parce que je prends du gros plaisir, là, ça me hype pour le 2, hein, évidemment, encore plus. Il s'agit d'un secret millénaire, enfin, révélé au grand jour. Laissez-moi vous parler de ce trésor des temps anciens. Le harnachement archéonique. Il y a très longtemps, bien avant que je sois né, il existait un harnachement extraordinaire. Il se composait d'un filet améliorant les performances du cheval et d'une selle pouvant le faire venir en un clin d'œil. Le filet se trouverait sous un cerisier en haut d'une montagne où se rassemblent les animaux au sud des collines d'Hyrule. Alors là, il faut se rappeler, hein, quand on n'est pas à fond dedans. Et la selle se trouverait près de l'étrange fontaine de l'esprit des chevaux. C'est en tout cas ce que dit la rumeur. Bonjour, bonjour, la petite Caro. La petite, hein, ouais, c'est ça. C'est pas la petite, c'est la petite. Les voyages à cheval dans l'Antiquité, ça devait être une promenade de santé avec un tel équipement. Intérêt 5 étoiles. Ok, donc là, c'est mis à jour dans le journal. Alors, un cerisier... En haut d'une montagne où se réunissent les animaux. C'est pas là où il y a l'animal céleste là qu'on peut monter. J'étais même pris en photo avec. Ça doit être ça. Alors, je sais plus où c'est. D'ailleurs, ils avaient dit que c'était. Ils avaient donné des précisions quand même. C'était au sud des collines de. Ah ah! Faut que j'aille relire ça en fait. Je pensais qu'on aurait tous les détails dans le relevé de mission. Alors ok. Au sud des collines d'Hyrule, ok.
Les collines d'Hyrule. Plaine d'Hyrule. Colline d'Hyrule au sud. J'ai mis un tampon. C'est peut-être pas pour rien. Ouais, c'est ça le Mont Satori. Ok, allez, go. Après, on ira chercher Epona, du coup. Quoique Epona... Oui, Epona. Mais que Epona qu'on peut appeler, d'ailleurs. Ah non, c'est moi qui l'ai appelé Epona. Je suis bête. Ou pas. Ah non, c'est donné par le jeu, il me semble. Je sais plus. Oui, c'était donné par le jeu. Elle est encore en mode foudre, là. Alors, le Mont Satori, c'est derrière moi. Et ça va être la misère pour escalader. Alors. Je vois le cerisier. Je vois le coffre, les amis. Voilà le filet archéonique, ça c'est cool. Est-ce qu'on a la place? Oui. Ok, alors par contre, il faut que je me rappelle. Où est-ce qu'on trouvait le... Qu'est-ce qui m'arrive là? Le dieu cheval. C'est ça, hein? L'esprit des chevaux. L'étrange fontaine de l'esprit des chevaux. C'est vers un pont cassé, etc. Mais ça va pas m'en dire plus, hein. Que c'était dans les débuts du jeu. Alors là, j'ai mis dans la Cepona. Est-ce que j'ai mis un repère? Pourquoi j'aurais mis un repère ici? Je ne sais plus. Je vais peut-être lancer le let's play plutôt que prévu. Haha, Gumo. Ah ouais, il y a du taf sur ce jeu. Surtout si tu le recommences du début, t'as vraiment de quoi faire. T'auras toute l'histoire. Je me rappelle plus où il est, l'esprit du cheval. C'est tellement loin pour moi. Là, il y a un tampon, on va aller voir pourquoi. Parfois, j'avais marqué les lieux importants. Je me rappelais plus qu'il y avait une fontaine. Ah, une fontaine avec un cheval, par contre. Il y a un autre endroit auquel je pense. J'avais marqué cet endroit. Ah bah c'est le cerisier, mais je suis bête. Non, j'y étais. Bon, je suis retourné là en fait. Ouais, ok, bon, c'est pas grave. Ici, qu'est-ce qu'on a? Non. Enfin, on n'a pas plus d'infos. Hein. L'étrange fontaine près de l'esprit des chevaux. Il y a froid là? Oui. On va aller se poser ailleurs.
J'aime bien me la péter avec ma moto. Alors, faut que je me rappelle, hein, faut que je fasse appel à ma mémoire. Je sais qu'il y avait tout un tas de ponts. Je dis pas de bêtises. Fanfaria, tac, relais du lac. La moto, je crois que c'était un mode au début. Ah ouais, ça aurait été énorme. Là, il y a quelque chose là. Ah ouais, mais c'est les trois fontaines. Non, ça serait pas là. Alors, je pense qu'on reste quand même. Alors, est-ce qu'on reste pas dans le coin du mont Satori, etc. Si on reste dans ce coin-là. Pont de Karok, ça me parle. Ruine, là, il y a. Il y a quelque chose. Tour des collines, plateau du tonnerre, non. Forêt du géant, non plus. Pont de Karok, ça me parle, mais. Ça serait par là. Là, il y a un relais. Ici, temple oublié, non. Relais des prairies gelées. Qu'est-ce qu'on aurait comme endroit remarquable? Prairie gelée, c'est pas là. Marécage. Relais du pied de la montagne, c'est pas là. Je me demande si c'était pas dans le coin là. Ancienne garnison, non, c'est pas ça. Lac Morcé. Où est-ce qu'il est cet esprit du cheval là? Arbre millénaire vermoulu. C'est là où on va ressusciter nos chevaux. Ils sont morts. Ça vous parle? Pont de Jade. Non, c'est pas dans le coin là. Plateau du tonnerre, ça m'étonne. Divinéa, éventuellement. Tout ça là, c'est une zone qui me parle. Bon, allez, on va aller voir. C'est dur hein, de replonger dans sa mémoire sur une map comme ça, 5 ans plus tard. Pas évident. Non, là, ça me dit rien dans ce coin-là. Salut les gars, je ne fais que passer. Ah, il y a un Kologu dans le coin. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Les flèches, c'est là. Et voilà. Ouais, elle consomme la moto, ouais, je sais.
C'est bien beau de faire le malin dessus, mais désolé, je peux pas t'aider, nous dit Seigneur. Mais c'est pas grave, hein. Ah, il y a longtemps que j'ai pas vu des gardiens là, comme ça. Alors, moi je voulais aller sur ce pont et il me semblait que c'était peut-être par là. Mais non, là on a les douves du château. C'est pas là, c'est sûr. Non, c'est pas là. Pont de Jade, ça me parlait aussi. Chaîne de Céleste. Plateau du Tonnerre. Bon, allez, on va y aller. Oui, j'avais oublié cette phase. C'était trop classe. Alors, je voudrais aller plutôt par là, du coup. Pourquoi il se baisse tout le temps comme ça? Pourquoi j'appuie sur le joystick? Alors non, c'était pas par là. Un peu de barbac. Ça me paraît pas être dans le coin non plus, hein. C'était plutôt marécageux. Je sais qu'il y avait toute une série de ponts. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle. Ravin d'Ordain. Relais du pied de la montagne, c'est pas ça. Là, c'est les auras. C'est pas dans les marécages. Oh, c'est joli comme plan, ça. Salut les copines. À la revoyure. Non, c'était pas les marécages, il me semble. Là, je sens que je vais m'arracher les cheveux là-dessus. Là, il y a un tampon avec une feuille. Ah, mais c'est Cocorico. Là, c'était pas vers Cocorico, c'est sûr. On va quand même s'écouter la musique. Ça va être cool. Donc là on a les marécages de la Nelle, on a Cocorico, peut-être par là.
Ouest de Nekluda, ça me dit un truc. Mais bon. トルネードいつでも OK だ。Pas la casser. Non, c'est bon. Là, on a un pont en vrac. Ce serait là-bas que je voudrais aller. Non, je suis pas sûr que je suis pas sûr. Il n'y a pas de fontaine. Si vous voulez, on change de mission X, hein, si c'est un petit peu trop longué. Parce que là, c'est vraiment des recherches presque aléatoires. Il me semble qu'on nous parlait de cet esprit dans un relais, mais c'est pour ça que je me suis plutôt dirigé vers un relais. Relais de la rivière, relais des marécages, de la forêt, c'est pas vers les Korougous. De mémoire, il me semble que c'est près du relais des alpages. Ouais, donc c'est ça, c'est un des relais du début. Relais des alpages qui est là. Ah ouais. Et est-ce qu'on a des. Est-ce qu'on a tout. Moi je me rappelle avoir traversé une série de ponts. Là on a les ruines, Faroria. Lac. Relais des alpages, allez. On va le tenter. La petite carreau. Et j'étais allé en cheval à l'époque. Ah, merci. Elle n'est pas facile à trouver, cette fontaine qui ressuscite les chevaux. Je commençais à me demander si on m'a pas raconté des bobards. Oh, excuse-moi, je marmonnais dans mon coin. Tu crois qu'elle existe, toi, cette fontaine? Oui, je l'ai trouvée. Vraiment? Raconte-moi alors. Ah, voilà, la fontaine de Marlon. Merci pour l'info, j'y vais de ce pas. Alors. Maintenant, on sait ce qu'on cherche. Par contre, où est-ce qu'elle est?
Il doit être indiqué sur la map. Alors nous on est là, ça doit être pas très loin. Pont de la divinité Ekin, les amis. C'est derrière nous? Ah, tu m'as donné, tu m'as pas spoilé, mais tu m'as donné une bonne indication. C'est nickel, la petite carreau. Donc, ça doit être là, tout simplement. On va aller tout droit. Il y avait bien ce pont là, ok. Je re, nous dit Sonia. Ah, du coup, c'était par là, je sais même pas. Ah. Il y a un relais là. J'ai fait le tour ou quoi? Non. Ah oui, le relais des Alpes. Bah oui. Mmh. Ok. On n'y est pas encore, hein. On tourne autour du pot là. Ouais, Fontaine de Marlon, c'est par là. Je tiens à dire que Mario Striker sort le 10 juin et que ce n'est pas un ersatz de Mario Striker. C'est vraiment Mario Striker, nous dit Gumo. Alors, du coup, il faut faire un petit coup de. Ben voilà. Qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a au fond là? C'est beau. C'est un petit rayon de soleil. Alors, ça doit être pas loin d'ici. Voilà. On risque pas d'oublier, nous dit Kimi. C'est sûr que Gono, il tient à le dire assez souvent. Et il a raison, faut pas oublier. Ouais, c'est vrai qu'il y a un nouveau trailer, je suis même pas allé le voir. Alors, fruit des technologies aujourd'hui disparues, cette mystérieuse selle permet au cheval qui la porte de rejoindre quelle que soit la distance quand vous l'appelez. Merci beaucoup, la petite carreau, parce que ton lointain souvenir a été déterminant. Ah oui, Epona. Ici. Ouais, faut que je regarde car il m'intrigue ce jeu. Ah oui. Ah, ça va être un bon jeu de foot en arcade. Hein. Et un petit applaudissement pour Caro quand même. Hop. Désolé pour les oreilles. Donc, Epona, je l'ai mis là-bas, moi, pourquoi j'ai fait ça?
dangereux ici. Je suis même pas en archéonique. Epona nous a pas entendu. Elle est où alors? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Je vais me faire démonter moi. Et voilà ce qui devait arriver, arriva. Elle est sourde. Ah ouais, mais ça tire dans tous les sens. Hein. Bon. Ah, il me laisse plus tranquille. Je me rappelle au début qu'est-ce qu'on avait peur des gardiens. Bon, je veux ma moto, moi. Non, je veux pas saisir. Je veux me barrer. C'était juste. Bon, elle est où Epona là? Ah bah elle est là. Oui. Ah voilà, on est d'accord. Alors, comment on fait pour l'équiper? Vous vous rappelez? Non, on va faire... Ah, est-ce qu'il faut pas le faire dans un relais? Je sais plus. Sacoche, sacoche, sacoche... Voilà, alors si je veux faire ça, il est archéonique, ouais. Et alors? Non, je voulais faire. Aller dans les menus. Alors réorganiser retour jeu, choisir. Choisir, voilà. On va essayer d'aller dans un relais alors. Où est-ce qu'il y en a un dans le coin? Merci Kimi, on le rappelle. Ah, il y a longtemps que j'ai pas fait du cheval. C'est ça d'avoir une moto. Passer par là-bas. Il faudrait que je bouffe un truc, moi, on ne sait jamais. J'aurais mis la selle sur la moto, c'est vrai que ça aurait été énorme. Manger un truc, hop. Il est où le relais que je cherche? Il est par là. Ah, ce que j'aime aussi dans ce jeu, c'est quand on a le cheval, on est un petit peu en pilote automatique sur les chemins et les routes. Là, je touche à rien. Alors, on va reprendre cette route par contre. Hop.
Calmez, calmez, voilà. Alors, que puis-je faire pour toi? Laisser mon cheval, enregistrer un cheval, emmener mon cheval, enregistrer mon cheval. Il est déjà enregistré. Ah. Comment on faisait déjà? Faut être au relais, non? Yeah. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, on peut pas sur elle, d'accord. Bon bah, on va changer de cheval. Qu'est-ce que j'avais comme cheval d'ailleurs? Rigolez pas parce qu'on avait fait les noms avec ma fille, je pense. Alors laissez mon cheval déjà. Voilà. Je crois que j'en avais un qui était pas mal. Alors on a Royal, Éclair, Chocomino, Ganon. Ça c'est le cheval de Ganon. Je pense pas qu'on puisse l'équiper. Et Epona. Alors Royal, il devait être bien. Ah oui, c'était le cheval de Zelda, ça. Éclair. Allez, on va prendre Éclair. Ou Chocomino. Ils sont kiff kiff. C'est vrai, on lui a fait une petite coupe. Une petite coupe hipster. Ok. Salut poteau. Alors. Changeons son filet. Voilà, très bien. Filet archéonique. Et sa selle. Et voilà. Alors maintenant, je vais me téléporter. On est là. On est où d'ailleurs? Là, ok. Je vais essayer de siffler du coup. Il devrait apparaître. Là où c'est bien plat. Bon bah Royal. Ok, donc ça c'est testé. Maintenant, journal. Et un nouveau flow de la petite Caro, merci. Tu attendais que j'ai le harnachement antique. Merci beaucoup pour ton follow, ça fait plaisir. Et on est à 898 les amis, appelez deux potes et on passe à 900 et on se rapproche de la route des 1K. Merci beaucoup la petite Caro et à ceux qui ont follow ce matin. Du coup, peur panique sur la foudre. Une arme en métal est plantée au sommet du relais du lac, attirant ainsi la foudre. Ah, c'est tout? Ben ouais, mais on l'avait pris alors. Donc c'est ça qui a attiré la foudre. Il faut rassurer Chimina.
Ah bah, on l'avait quasiment fait cette mission sans faire exprès. Puisque j'avais ramassé la hache sur le toit, je sais pas si vous étiez déjà là. Du coup, c'est là. Bah ouais, oui. Il suffit juste d'aller lui parler pour lui dire que c'était la hache qui a tiré la foudre. C'était une petite mission perdue qu'on n'avait pas trouvée en fait. D'ailleurs, entre les missions ex qu'on a fait, les quelques noix et tout ça, est-ce qu'on est allé au-delà des 62%? On est toujours à 62-51, c'est un truc de fou. Ok, alors le relais, il est là. Il y a toujours le Kurogu dans le coin qui nous nargue. Ah, vraiment, tu as trouvé ce qui attire la foudre ici? C'est une hache. Je vois, c'est donc cet objet en métal que la foudre. C'est donc sur cet objet en métal que la foudre tombait. Comment a-t-il bien pu atterrir là-haut? Merci d'avoir mené l'enquête. Tiens, ce petit quelque chose pour la peine. Un casque isolant, on n'a pas la place, c'est ça? Ah bah si. Ah mais on a le troisième casque des prodiges là. Journal, sacoche. Du coup là on a trouvé la place pour ça. Je suis nouvelle sur Twitch et tu es mon premier follow. Waouh! Classe! Merci, merci petite Caro. Bah, tu vas voir Twitch, on parle du Twitch game. Hein, c'est un gros délire. Il y a tout type de stream, de streamer. Tu peux trouver de la musique, de la cuisine, du jeu vidéo évidemment. Donc on a chopé le casque isolant. Bah, c'est cool. J'aurais bien voulu qu'il me les classe les trois à côté là. D'accord, donc c'était une petite mission pour le casque. Bah, bienvenue sur Twitch, ouais. Effectivement. Pour la chaîne, alors moi je stream en semaine, en ce moment le mardi et le vendredi. Alors c'est plutôt en mode lève tôt le matin, c'est 7h30, 8h30. Et le midi, 12h30, 13h30, donc le mardi et vendredi. Et souvent le week-end, mais c'est plutôt en aléatoire les horaires. Même si maintenant, le vendredi, j'arrive à mettre à jour mon planning pour annoncer un petit peu ce qui sera fait sur le week. Donc, on a fait cette petite mission. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, pourquoi je suis tout en haut? Ok. Uniforme de la garde, ouais, capuche mercantile. Alors ça, j'avais vu tout à l'heure en cherchant sur la map le lac Dracos. Au lac Dracos, dans la patte droite du dragon qui dévore la source du courage. Alors Dracos, c'était pas loin de Firon. Là où on avait les cascades, etc. Où était-ce? Alors, Firon, c'est là. Ok. Là, on a Dracos, lac Dracos. Ok. Là, on voit que ça fait comme une bouche de dragon ou quelque chose comme ça, une mâchoire. Et que dit l'indice? Là où la patte droite du dragon dévore la source du courage. Ah merde, ils m'ont remis. Alors, c'était où? C'était là. Source du courage, donc ça serait là en fait. Allez, on va aller ici et on va aller voir. La patte droite.
Ah oui, je me rappelle là, quand on avait trouvé le sanctuaire derrière et tout. Ah, il y a un bouli. Est-ce qu'on se le fait? Et il va m'en mettre une. Et voilà. Ah oui, quand même, hein, il enlève pas mal de cœur. Hein. Du coup, alors... Droite, c'est à gauche pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je voulais lui viser la corne. Il fait mal aussi, lui, un petit peu. Ah mince, j'avais pas vu qu'il y avait tout ce monde là. Moi tout ce que je veux c'est trouver mon petit trésor. Ça a pas l'air d'être là. Je crois que je me suis mis dans l'eau là. Il va falloir que je me les fasse hein. J'ai jeté mon arme. Bon. Ils vont pas me foutre la paix. Il faudrait peut-être que je mange un truc déjà. Oh putain. Non mais en fait c'est ça le problème, c'est quand t'as pas joué depuis longtemps, tu te retrouves dans des situations... sont pas trop violentes et tu te retrouves dans... tu te retrouves toi par contre à galérer. Non, c'est pas un truc d'endurance que je veux. Ah c'est ça. Donc là j'ai plus trop d'armes sympas niveau flèche, voilà quoi. D'habitude je devrais bien tirer une petite flèche dans la corne. Là ils me font galérer en fait. Mais même là, hein, c'est l'enfer. On est trop loin. Ok. Est-ce que c'est ça la boule du dragon? Pour ça que je veux le recommencer. Et c'est pas une mauvaise idée. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans l'indice? Se trouve au lac Dracos, dans la patte droite du dragon qui dévore la source du courage. Bon, c'est grave éloigné là, non? Ah non, on est là. Donc la patte droite du dragon. Ça serait ça. Source du courage, c'est là. Pour moi, c'est là. Quelque part par là. Si on peut dire que ça, c'est une patte. Elle est où la patte gauche alors? Alors, il en reste beaucoup à buter. Ouais, il y en a quelques-uns quand même. Moi aussi j'aimerais trop... Ah tu voudrais le recommencer Caro? Reprendre une partie c'est un coup à me dégoûter. Non parce qu'en fait ce qui est quand même vraiment excellent c'est qu'il se reprend assez vite en main quand même. Hein. Mais si tu l'as pas fini effectivement il faudrait peut-être le reprendre de zéro. Quand on l'a déjà fini bah on y revient régulièrement. Hein. Je vais l'avoir d'ici.
Non, il tire plus. Ça lui fait pas grand chose, hein. Si. Gaspille un peu là. Ok, là je l'ai eu. Ok, il n'en reste plus qu'un au fond. J'entends plusieurs cornes quand même. Voilà. Ah, ils m'ont bien saoulé. Donc je vais pouvoir faire mes petites recherches tranquilles. Et enchaîner sur le 2 s'il sort un jour. Ah oui. Ouais, s'il sort un jour, mais oui, il va sortir. Ils en ont trop parlé pour qu'il sorte pas. Hein. Ah, pourquoi j'appelle mon cheval? Bon, c'est pas grave. Alors du coup. Ça a l'air d'être ça. Non, c'est quoi ça? Ça, c'est un arc. Ok, c'est toujours ça de prix. Par contre, je ne sais pas si on cherche. Coffre. Je suppose. Hein. La capuche. On n'a pas le droit du dragon qui dévore la source du courage. Ça, ça serait plutôt la patte. Dans la patte. Ici, alors. Non, je vois rien. Est-ce que ça serait là-haut? Cool, on récupère des flèches. Après, moi, je l'ai déjà fait à 100% niveau 4. Il me manque que des noix. Ouais, ça serait pour le plaisir de la balade. Avec le masque, tranquillou. La patte droite du dragon qui dévore. Alors ça, c'est source du courage. Lac Dracos. Je suis un peu loin, là. Il dévore la source. J'essaye de voir. Là, on a la source du courage. Ça serait là? Non, je pense pas. Ah, je sais pas. Finalement. Non, c'est la patte. À plus tard, le couac. Ben, merci d'avoir été là et puis d'avoir suivi les aventures. Bon dimanche à toi. La patte. Mais qu'est-ce que... On est d'accord? Ça, c'est quoi alors pour toi, Gumo? Là, je vois pas de dragon. Avec le relief et tout ça, ça... Non, je vois pas de dragon. À part une espèce de pince, là. Je pense que tu raisonnes bien. Ok. Merci. Alors. Je vais voir avec autre chose avec ça. Y a pas un truc à bouger. Mais ils sont revenus. C'est abusé. J'ai un petit doute, j'ai quand même envie d'aller voir, retourner voir ici là. Je veux dire que c'est carrément la patte, ouais. Donc ça peut être de l'autre côté de là où je cherche.
Ça va faire apparaître les mobs, de se téléporter. Il y a toujours le cheval qui est là-bas. Potentiellement, ça pourrait être par là. S'il allait me faire les autres en traître. Normalement, je suis en furtif. Ah, j'ai pas le casque en même temps, mais ils sont où? Il dort là, voilà. Sur la corne. Hop. Le deuxième. Il n'a rien vu passer. Ah, parce qu'ils m'ont un peu gonflé. Il y en a plus là, on est d'accord. Hein. Ah, mauvaise chute. Alors la patte qui vient mordre. Patte droite, ils disent. La patte gauche, elle est où? Je l'ai pas vu, celui-là. Il est en mode camouflage. Ah, on a mis une belle là. Bah alors, t'as perdu ton arme? Ok. Récupère du matos. C'est beau là-bas quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que ça représente, ça? Une tête de dragon, non? Et là, on a la patte. Salut Sony! En fait, c'est ça, Gomo, qu'on cherche depuis tout à l'heure. J'avais trop le nez dans la carte. Alors, la patte droite, c'est celle-là, non? Si on regarde de face. Et donc, les termes exacts, c'est dans la patte droite. Ok. Regarde, regardez les amis. C'était quand même un peu... Je me suis tiré les cheveux tout seul en fait en regardant le dessin de la map. C'était tout simplement dans le décor. Alors, est-ce qu'on a la place? Mort de rire qui nous... Yeah, capuche de Lavio, le détenteur d'un bracelet permettant de se changer en peinture portrait, cette capuche qui accélère l'escalade latérale. Il s'agit d'un article rare et difficile à se procurer. Et vous n'avez pas de place dans la sacoche. Et ça, c'est moche. Remontre la map. Voilà la map. Là, on voit bien que c'est une tête de dragon. Maintenant, là, on voit bien les mains. Là. On voit bien une main ici et une main là. Mais moi, en fait, je regardais ça.
T'as pas capté. Alors attends, déjà, je vais éviter une connerie. Je vais mettre un point de téléportation. Voilà, comme ça, on retrouvera le coffre direct. En fait, là, tu vois, il y a les doigts, les griffes. Alors, je vais me mettre de plus loin. Juste logique, en fait. C'est juste que je regardais pas comment on est arrivé de l'intérieur. La tête de dragon. Hop, hop. Il a les deux mains comme ça. Et main droite, donc c'est ici, puisqu'on est face au dragon. Bref, on a trouvé. Il va falloir vendre quelque chose maintenant. Toujours la même salade. Alors, si je réorganise, ça m'organise dans quel sens? Ok, ça met tout. Toutes les armures qui vont ensemble. Salut, Ragieux! Comment ça va? Bienvenue sur le live du dimanche matin. On a repris du service sur Breath of the Wild. Je me suis aperçu que j'avais des quêtes que je n'avais pas faites encore. Mais ça va bien. Tranquille, pépouze. C'est week-end. J'ai pas de doublon en tenue. Là, comment je fais là? Quand même abusé. Et pas la place, non? Ah. Coiffe du temps, coiffe du vent. Bah non. Hein. Coiffe du vent avec une étoile. Non, j'avais gardé une coiffe de chaque. Hein. Je suis un peu embêté, Ragieux, parce que je trouve du loot. D'armure et je n'ai plus la place alors que j'ai agrandi au maximum et que je pense pas avoir de doublon. Ça m'embête de lâcher un truc en fait. Je voulais tout avoir. Chose du temps, chose du vent, crépuscule. Trop de rêves et pas assez de place. C'est ça. Le manque de place est l'ennemi public de toutes les vidéos. Alors surtout moi, hein, les sacs pleins, on connaît, mais bon, dans Breath of the Wild, là, vraiment, je pense qu'il y a un truc qui cloche. Il va y avoir des trucs en doublon. Ah voilà, le voile de demoiselle. Bah ça fait déjà un truc à virer, hein. Fait un truc à virer, donc on va chercher, on va faire comme tout à l'heure, on va aller là, et Karaï il est là. Tu joues à quoi d'autre? En ce moment sur les lives je fais Rune Factory 5 qui est un excellent jeu de ferme couplé à du RPG, c'est par les gars qui ont fait Story of Season, Harvest Moon, tout ça si tu connais le genre. Je me suis essayé à Don't Starve, un jeu de survie assez difficile pour moi. Donc je live ça aussi en ce moment. En off, je joue à 13 Sentinelles. 13 Sentinelles à Egystream, si tu connais. C'est du visual novel en français, couplé à du wargame, avec une histoire juste folle qui twist. Sans arrêt. Je vais passer faire coucou, j'ai des bricoles à faire à tout mon kabuki. Eh bien à tout mon Ragieux, merci d'être passé, ça fait plaisir. Je suis passé vraiment vite fait hier, mais j'étais en pleine corvée. Et je te dis à bientôt. Alors je voudrais acheter, je voudrais vendre. Hop. Et donc ce Nintendo Xbox, est-ce que tu as fait le jeu à 100% au niveau Breath of the Wild? Est-ce que tu l'as pas? Alors le voile, ben, on va rester en blanc du coup. Donc c'est toute la tenue que j'avais en double. Mais il va me falloir une autre place assez vite je crois. Ce qui me manque un... Quoique tout à l'heure on a eu un casque archéonique, mais ça nous a pas demandé de faire de la place.
Il fait des concours de barre de fer en live. Non, c'est pas vrai, Gumo. C'est pas vrai. J'ai fait du unboxing une fois sur Triangle Strategy. Où je refasse d'ailleurs. Sinon, bah, j'adore les jeux de rôle, moi, les JRPG. Hein. Pour te dire un peu carreau, je joue un petit peu à tout. Je suis fan de Nintendo. Tu trouveras que de la Switch ici. Voilà, donc dès qu'il y a un jeu Nintendo, dernièrement c'était Switch Sport. On n'est pas loin du bras de fer, Gumo, hein, avec Switch Sport. Switch Sport. Voilà, bah, je regardais un peu les stats de la chaîne ce matin. Bah, juste en un an, là, on a quand même streamé ensemble 123 jeux, les gars. Et les filles. Et moi, je redescends comme un naze. Par là, je peux me re-téléporter à gogo. Voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup de jeux de rôle. Pas mal de jeux indés aussi, Caro. J'adore les jeux indés. Les petits jeux... j'adore le pixel art aussi. Ouais, 123 jeux qui ont été streamés, ouais. Il y a eu beaucoup de jeux qu'on n'a pas streamé longtemps, hein. Qui ont été envoyés par des éditeurs où on faisait des previews, des choses comme ça. Mais en tout cas, ouais, le Twitch Game comptabilise 123 jeux. Capuche de Laravio. Ok, donc ça c'est bon, la capuche mercantile. Alors le jeune enthousiaste, bon lui il veut un trident des glaces, on n'est pas prêt de lui filer. Ah oui, Wind Waker, ah tu veux faire Wind Waker avant Beau, ouais, avant Breath of the Wild. Wind Waker il est terrible. Donc tu attends la fameuse compile qui a été leakée là, en mode rumeur, on ne sait pas trop. L'habit bleu du vent, donc ça va faire encore avoir une place dans les fringues ça. L'habit bleu du héros qui parcourait les mers en contrôlant le vent. Ça fait très Wind Waker. Hein. Se trouve là où l'Evandra prend sa source. Et salut Mireille, comment ça va? Bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait du Breath of the Wild. Bienvenue sur le live. Alors moi, je suis sur... Assassin's Creed Odyssey. Alors c'est pas du tout ma cam, les jeux type Assassin's Creed, mais je comprends que ça puisse plaire. Là ça va être compliqué, il va falloir chercher sur la map l'Evandra. L'Evandra qui doit être une rivière ou un fleuve. C'est que quand on est trop, on voit pas le nom. Alors, on va faire méthodique, on va repartir de là, par exemple. Est-ce que ça va bien ce matin, Mireille? T'as vu, on a ressorti le jeu. Étant de Sioulou, étant machin. Non, alors. Là, qu'est-ce qu'on a? Primo. Primo. Il y a. Evandra. Donc la source de l'Evandra, c'est ici. La chance d'avoir pas mal de jeux sur Wii U, du coup j'ai pas besoin de les racheter sur Switch, c'est vrai. En plus sur Wii U, le Wind Waker, il envoie du bois. Donc tu faisais partie de ceux qui avaient la Wii U comme moi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cru en cette console. Hein. Alors, c'est vrai qu'elle a fait un flop, mais il y a quand même eu des hits.
Alors, on va aller au lac Ori. C'est bon, j'ai que du bois sur moi, tout va bien. Au niveau de l'arc d'ailleurs. Hop. Ça c'est la feinte aussi. La courrie, go. Alors est-ce que c'est au lac? Oui, mais là où prend sa source, ça peut être que là. On l'a eu aussi chez les parents. Ouais, moi aussi je l'ai, la Wii U, je l'ai gardée d'ailleurs, hein, évidemment. Après, c'est vrai que j'y ai plus touché depuis que la Switch est sortie, hein, quasiment. Si j'avais testé un jeu. J'avais testé un jeu qui était sorti bah, après que la Wii U soit finie. On m'avait demandé de tester un jeu. Alors, la Corrie, bon, on va voir, je crois qu'il y a du monde là. Hein. En plus, il pleut, etc. Ah, il y a un Korogu dans le coin. Là, j'allais voir là-bas. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Ça va bien et toi et vous? Un peu dégoûté car c'est mon dernier jour de vacances. Ah oui. Là, comme tous les zones C là, sont blasés aujourd'hui. En même temps, bien profiter pendant 2 semaines. Mais c'est vrai qu'il y a le blues du dimanche soir qui arrive là. Ah, je vois quelque chose là. C'est pas là que je veux aller. Ah, le relou. Allez, je me laisse emporter par le courant. Voilà. Moi, c'est mon premier jour de vacances, nous dit Sony. Ah oui? Ah, c'est un coffre ex, ça? Ouais. Bon, on l'a vite trouvé celui-là. Tunique bleue de homard. On n'avait pas de place. Ok, bon. On n'a pas de place. Bon, bah, on va faire un téléport ici. Alors. Plus, ça coche. Bah, tout au fond. Ah ouais, c'est la méga ref, on est d'accord. Hein. Ça tombait bien en plus que Sony nous parle de Wind Waker. Alors, je voudrais voir juste qui est-ce qui est en train de streamer parce qu'on va se laisser là, il est 11h15, après je vais enchaîner. Et puis je pars à 13h direction aller voir le concert de Hisaishi, Joe Hisaishi, donc celui qui fait les musiques de tous les Ghibli, hein, entre autres. Il a fait d'autres trucs aussi. Alors dans mes hosts, il n'y a personne qui stream. Si on allait voir quelqu'un qui fait du Breath of the Wild, ça peut être sympa d'aller voir quelqu'un de nouveau. Est-ce qu'on a des streamers de Breath of the Wild sur le Twitch game en français? Ouais, on a un français, Suckstream. Ben on va aller le voir. Je prépare le raid. Hop. Stream. On va le découvrir ensemble. N'hésitez pas, je vous le dis souvent, mais vous le faites pas. Mais c'est pas grave, vous faites comme vous voulez. De bombarder d'emojis pour signaler le raid et qu'il soit content quand il fasse un petit raid. Hop, j'envoie. Alors, c'est réservé aux followers ou aux abonnés. Bah, vous faites comme vous voulez. Hein, si vous voulez follow pour lui parler ou pas, ça c'est son choix. J'enlève le mode studio. Je vais préparer la sortie.
Merci à tous d'avoir suivi ce live. On était une bonne petite quinzaine de moyenne, ça fait plaisir. Si ça vous plaît, on continuera ces petites missions sur d'autres dimanches, il n'y a pas de souci. Donc, bienvenue aux nouveaux, ceux qui ont follow, ceux qui sont passés, les lurkers. Des bisous, des checks. Et puis, spéciale mention à tous les anciens qui étaient là aussi, et qui sont passés, revenus, et ceux qui regarderont la VOD. Et puis, je balancerai sur YouTube. Donc, un petit coucou à ceux qui sont sur YouTube aussi. Allez, j'envoie le générique et dans la foulée, j'envoie le raid. C'est parti. Bye bye.